Ghana. Ravi de vous retrouver sur Cameroun Vision, mesdames et messieurs. Vous le savez, le plaisir est toujours immense de vous savoir aussi nombreux sur l'unique plateforme qui, de façon hebdomadaire, vous donne à découvrir le potentiel touristique du Cameroun, véritable concentré du continent africain. On s'en souvient très bien, la semaine dernière, nous étions du côté de Bafoussam et on a tous vibré au rythme du gnangnan. On sera non loin de là aujourd'hui pour en faire pareil, comme nous indique à l'instant le sommet. Cameroun Vision est en effet ce jour à Batoufam. Bienvenue dans le village natal de Jérémy Soranjita Photo, Tipak Samo et bien d'autres pour un périple qui nous fera voyager dans le temps. Des images exclusives datant des années 50 qui nous aideront à remonter son histoire. Batoufam donc et tout ce qu'il a en termes d'arguments touristiques, mais aussi Illusion Prod, auréolé le mois dernier d'un trophée du tourisme décerné pour le magnifique travail abattu au quotidien, donnant à mieux connaître le Cameroun. Installez-vous comme il se doit et puisse le régal être total. Est-ce qu'on peut encore applaudir, s'il vous plaît ? Marquons un petit break pour ce qui est du monde autour et rentrons véritablement dans le vif de notre sujet du jour. Faisons un voyage dans la partie la plus à l'ouest du pays. Un voyage dans le temps, en son et en images qui vous permettra de découvrir Batoufam sous une facette plus historique. Le roi Nankam, chasseur et fondateur du village Batoufam, était membre d'un groupe Tika appelé Bléblé. Venu du plateau de l'Adamawa et actuellement installé à Bali, dans le nord-ouest du Cameroun. Pendant les différentes migrations, Nankam déserta son groupe pour devenir serviteur puis chancelier auprès du chef Bangwa et tomba amoureux d'une des princesses de ce village, art intolérable aux yeux du chef local, qui décida de son élimination physique. Informé, Nankam prit refuge à Bandrefam qui assura sa protection en retour des produits de chasse qu'il recevait gracieusement de son hôte. Son entourage immédiat et lui, plusieurs années plus tard, quitteront Bandrefam et s'installeront dans la forêt de Lekwa. C'est ainsi que naîtra son village à lui, j'ai nommé Batoufam. Batoufam compte 70 âmes seulement à la mort du roi Nankam, mais sa démographie explose sous la troisième dynastie du village. Sa Majesté Lekwelieu, petit-fils de Nankam, alors chef du village, conquiert la chefferie de Nziksa et y installe son palais, l'actuelle chefferie supérieure Batoufam. Batoufam, jusqu'à sa 12e dynastie, se battra bec et ongles contre plusieurs villages voisins, dans le but de préserver son autonomie et son indépendance. David Fotso, 12e roi de la dynastie qui régna de 1927 à 1954, est donné pour être celui qui aura établi la réputation de Batoufam comme étant un des peuples les plus hospitaliers de la région de l'Ouest. À sa mort en 1954, c'est le jeune Toukam Fotso Eli Roger, ici à l'image, qui hérite du trône. L'arrestation de Toukam Fotso Eli Roger, nouveau chef Batoufam, est coordonnée par Sa Majesté Nonjutuo, le très charismatique chef du village Bangwa, ici en Gandoura Blanche, l'homme aux griffes de lion.
rituels, de l'arrestation du chef à son intronisation en passant par le séjour au lac Cap, n'a pas pris de ride avec le temps dans ce village qui, comme partout dans l'Ouest Cameroun, prêche sous la chapelle du respect des traditions ancestrales. Témoigne ce parallélisme entre les obsèques du roi David Fotso en 1954 du défunt chef devait porter le deuil en se dénudant la poitrine lors des obsèques. Et celle d'Élie Roger Toukam Fotso en 1989. Innocent Nayan Toukam, alors âgé de 22 ans seulement, devient le 14e chef de la dynastie Batoufam. Il est arrêté en 1989, suivant un rituel identique à celui de son prédécesseur. Partage du haricot par le chef, nouvellement sorti du lac Cap, à ses sujets est un rituel obligatoire à Batoufam. Ceci symbolise sa bénédiction pour une production plus accrue durant tout son règne. Et on peut ici voir à l'œuvre Sa Majesté Élie Roger Toukam Fotso en son temps, et Innocent Nayan Toukam, l'actuel chef 35 ans plus tard. We'll be right back.
Que dire donc de la grande danse appelée Dzo? Le ndop, tissu traditionnel bamileke, en était déjà la tenue et le demeure à ce jour, ainsi que la manière de le nouer autour de la taille. D'autres exemples peuvent être ajoutés à ceux déjà évoqués pour signifier la pérennisation des traditions ancestrales dans ce prestigieux village. Un solide argument qui fait de Batoufam une curiosité touristique. Voilà donc à vous présenter l'histoire de Batoufam et de ceux qui l'ont écrit, avec des images datant de 1954. Ça, il fallait le faire. Vous n'êtes guère au bout de vos surprises, car Batoufam a encore bien de choses à vous offrir dans ce 37e numéro de Cameroun Vision qui se tourne à Monde Tour, agence de tourisme et du voyage, grâce à qui on en saura davantage sur le rôle exact d'une telle agence dans la longue chaîne des métiers du tourisme. L'ouest du Cameroun traîne la réputation d'être l'une des régions, si ce n'est la région la plus conservatrice de toutes. Une conservation qui lui confère un potentiel touristique inébranlable, bâti autour de ses atouts naturels certes, mais surtout autour de son culturel, établi sur ses us et coutumes et autres danses traditionnelles. Batoufam n'en est pas une exception. On va regarder ce reportage qui nous dresse un petit peu son potentiel touristique. Batoufam, encore appelé Tswafap en langue locale, est un village de l'arrondissement de Bayangam, dans le département du Kunki, région de l'Ouest Cameroun. Situé à 291 km de Douala,
288 de Yaoundé et à une vingtaine de Bafoussam. Ce village est riche d'environ 30 000 âmes vivant essentiellement de la culture et de l'élevage. Bafoussam dispose de plusieurs écoles primaires publiques et confessionnelles, mais aussi d'un lycée qui, en cette année 2012, a connu ses premiers bacheliers, lesquels ont été bénéficiaires de quelques dons d'encouragement venant des élites du village. On a des gens de bonne volonté qui ont leur courage, qui ont l'amour des autres, la solidarité. En Bafoussam, nous disons l'apetchok pour le jeu mbok. Ça veut dire tout simplement quand le village est solidaire, il n'y a pas de pauvres, il n'y a pas de riches. Et c'est cet esprit-là qui anime l'élite Bafoussam. Chacun met un franc sur l'autre et ça devient ce que vous avez vu là aujourd'hui. Jeunes de Bafoussam, résidents hors du village, ne lésinent aussi pas sur ces modestes moyens. Pour promouvoir le village, chacun dans son activité et même pour revenir sur place, encourager à leur manière la jeunesse locale à travers des activités ludiques, notamment des concerts de musique et des championnats de vacances. Le potentiel touristique de Tsofap s'appuie certes sur ses valeurs culturelles, mais aussi naturelles à travers sa belle forêt primaire encore vierge, jalousement préservée au fil des ans. Il y a quelques années, nous étions à une centaine d'hectares, et justement sous ce phénomène démographique, elle a été attaquée, la forêt de Bafoussam a été attaquée sur plusieurs points. C'était pour cette raison que nous voulions la classer forêt communautaire. Malheureusement, cette démarche n'a pas abouti. Mais je crois que s'appuyant sur la tradition, tout le monde a compris l'enjeu de préserver une forêt que nous dénommons aujourd'hui forêt sacrée de Bafoussam. Donc ce caractère sacré lui fait une protection, en même temps que nous en profitons pour renouer ce lien avec nos ancêtres. Les danses traditionnelles locales sont l'un des atouts essentiels de ce riche patrimoine culturel.
Elles impliquent ici aussi bien les femmes que les hommes. Les sociétés traditionnelles des femmes Batoufam sont en effet caractérisées par des danses spécifiques, organisées pour des occasions de naissance, de mariage, de funérailles ou encore lors des grands événements comme ce vendredi 28 septembre 2012, jour de l'inauguration de la case patrimoniale du village. Ce qui est des hommes, nous pouvons évoquer le Kuungang, danse mystico-religieuse réservée aux initiés. La danse de guerre appelée Menjong est l'une des plus captivantes. Elle fut inventée dans l'optique de mettre en scène les valeureux guerriers du village, qui célèbrent ainsi leur retour victorieux du combat. Le Menjong est ouvert à toute la gente masculine sans distinction d'âge ou de classe et attire pour ainsi dire beaucoup de monde, villageois, touristes et visiteurs compris. C'est aussi le cas du Nzo, danse ésotérique et donc réservée aux initiés. Qui est une consécration, nous l'avions dit, consécration de l'exercice du pouvoir. Elle est occasionnellement organisée, notamment lors des grands événements du village, à l'exemple des obsèques de roi, ou encore les cérémonies d'intronisation. Pas de danse, tenues et autres artifices en sont les curiosités, et le chef du village en personne, au cas où il est lui-même initié, son entourage avec, y sont à certaines occasions impliqués. Vous vous en doutez bien, il n'y a pas que la danse comme atout culturel à Batoufam. La case patrimoniale locale sort des sentiers battus du déjà connu et vu dans les autres villages, prenant part au programme route des chaufferies. À la place d'une salle où sont exposées les richesses artisanales et autres armoiries du village, comme c'est le cas un petit peu partout, le chef Nayan Toukam a été autrement inspiré.
disons que nous pensions bien ouvrir le village au modernisme, mais sans toutefois là dénaturer nos cultures. En fait, il est question, en gros pour nous, de nous mettre à la page du développement mondial, global, mais en restant nous-mêmes. Beaucoup s'attendaient à une grande case, à une case dite case patrimoniale. Donc, c'était ma modeste contribution de leur montrer que la case pouvait être ce qu'on a déjà. Et justement, il suffisait d'ouvrir la page sur ce que nous avons, quant à le dénommer case patrimoniale, mais vous l'avez vous-même constaté, que c'était vraiment atypique et totalement différent du classique. Il a en effet bâti tout un circuit en plein cœur du village, en laissant à chaque élément le constituant l'opportunité de s'exprimer à partir de l'endroit exact où a été écrite son histoire. Pas besoin justement de déporter l'histoire vers les visiteurs. C'est la réciproque qui ici est valable. Sa Majesté Nayantoukam n'a pas oublié qu'après ce bon petit tour du village, fort en émotion, il est besoin de prendre un bon petit repos, d'où l'érection de ce mini-parc d'attractions plutôt rustique, qui offre aux visiteurs un mini-bar-restaurant, un petit lard pour pisciculture, mais surtout quelques boucarous sur pilotis, où il est possible de prendre quelques heures de repos, et même de faire des nuitées. Batoufam, non seulement fut le dernier village à être créé dans la mi-fi du temps, c'est un village où les gens ont combattu. Nos parents se sont sacrifiés pour que Batoufam existe, donc le Batoufam n'a pas le droit de s'estimer. Sur le plan artisanal, nous sommes des créateurs nés, c'est-à-dire que nous créons, nous n'imitons pas beaucoup. Toute chose qui semble bien plaire à l'ensemble de la communauté, mais aussi aux hôtes de ce 28 septembre 2012. Ici, on a l'exemple le plus abouti du concept, c'est-à-dire qu'on a à la fois le concept architectural, les aspects culturels et puis l'aspect économique avec l'unité d'hébergement touristique avec deux suites, 8 chambres. C'est quelque chose, je crois que c'est un atout formidable pour cette chefferie qu'on ne trouve pas encore de manière aussi aboutie peut-être dans d'autres chefferies, mais la route des chefferies, c'est un concept d'ensemble. Il faut attirer les touristes dans cette région. L'événement qui vient de se passer est une grande première.
qui caractérise Batoufam et qui élève Batoufam sur la scène internationale par la caractéristique particulière de son site qui déjà à l'entrée de la chefferie présente une particularité qui aussi est une chefferie qui est nantie d'une forêt pas comme les autres et qui fait une curiosité toute particulière de nature internationale. Aujourd'hui, je me réjouis de savoir que tous les ambassadeurs que vous avez trouvés aujourd'hui ont un intérêt particulier pour le village Batoufam. Je suis fier d'être Batoufam. Ça fait du bien de savoir que nous avons adhéré à cette charte de chefferie. Cette charte a permis de montrer au monde entier ce qu'on peut découvrir à la chefferie Batoufam. Et ça me fait plaisir que le monde entier puisse savoir qu'un touriste peut arriver, pas seulement aller à la plage, venir à Batoufam et découvrir le Cameroun. Moi, à mon niveau, en tant que président de l'Association pour la promotion et la défense du patrimoine culturel, depuis 4 ans, j'ai initié un projet intitulé Batoufam Festi qui se tient chaque fin d'année. Il s'agit en fait d'un concert que j'organise avec le concours des autres musiciens Batoufam qui permet aux populations de Batoufam de nous voir sur scène gratuitement. Ça se passe chaque année, nous sommes à 4 ans déjà. Alors nous allons faire la 4e édition en novembre, fin novembre ou début décembre. Donc nous sommes en train de boucler avec les dossiers. Et cette année notamment, nous allons faire venir des peintres. Et ces peintres vont faire des tableaux pendant la durée du festival. Et ces tableaux seront remis en don à la chefferie Batoufam. Ça c'est dans l'optique de soutenir Sa Majesté, d'encourager tout ce qu'il fait et de donner une autre couleur à ce qu'il fait. Allez comme ça. C'est aussi cela Batoufam, une chaufferie qui devrait servir d'exemple. Si vous arrivez seulement maintenant, volontairement ou par hasard, ne touchez surtout plus à rien. Vous êtes bel et bien sur la seule émission télé qui, chez nous, vous donne l'opportunité d'avoir le potentiel touristique du Cameroun à domicile tous les dimanches 17h-18h sur les antennes de Canal 2 International. Illusion Pro de récompenser au travers de votre magazine hebdomadaire du tourisme et du voyage à travers les plus de 475 000 km² du Cameroun. À l'occasion d'une soirée des awards organisée par Tourisme Magazine et récompensant des acteurs de la promotion du tourisme au Cameroun, une distinction a été remise à Illusion Pro et Cameroun Vision, représentée à l'occasion par Alain-Pierre Coignet, actuel présentateur de l'émission. On dit du Cameroun qu'il est l'Afrique en miniature et c'est grâce aux initiatives comme ça que les acteurs du paysage touristique peuvent se sentir concernés. Pour revenir à Cameroun Vision, effectivement, c'est un programme télé d'un format de 52 minutes, diffusé tous les dimanches sur les antennes de Canal 2 International, de 17h à 18h. Une initiative de Jean-Vincent Chidéum, qui est donc le concepteur de l'émission. C'est vrai que, voilà, on va en profiter pour vous souhaiter prendre guérison, parce qu'à l'instant où je vous parle, il est couché sur un lit d'hôpital. Donc c'est une initiative de Jean-Vincent qui a bien voulu à sa façon donner à voir de par le monde le potentiel touristique camerounais. Et ma modeste personne en est le présentateur. J'en profite aussi pour dédier ce trophée à tous ceux qui travaillent dans l'ombre. C'est vrai qu'à la télé, c'est moi seul qui suis, on va dire, au premier plan. Mais il y a toute une équipe derrière, je pense aux caméramans, je pense aux monteurs et à Illusion Pro ensemble. Et Jean-Baptiste, je te remercie et je remercie aussi la présence de tout ce monde qui est là aujourd'hui, j'ai envie de dire, pour qu'on essaie de tirer dans le même sens. Aux côtés des prestigieux lauréats tels Camerco, Cameroun Tribune, la CRTV Télé ou encore le professeur Pondy pour son récent ouvrage sur Yaoundé. Cet award vient récompenser un peu plus d'un an déjà de promotion de la destination Cameroun, tant pour les étrangers que pour les locaux.
Chapeau à cette initiative qui, nous espérons, donnera encore plus d'aile à ces médias qui, chaque jour, participent au développement du tourisme et à l'élévation du Cameroun parmi les destinations touristiques les plus courues dans un futur, on l'espère, proche. Cameroun Vision est un programme conçu et présenté à ses premières heures par Jean-Vincent Tinéum. Il est produit par Illusion Prod, une entreprise de production audiovisuelle basée à Yaoundé. Rendons-nous tout de suite avec comme guide principal, c'est pas donné tous les jours, Sa Majesté Nayan Toukam en personne, dans le village de Jérémy Sorel-Njitap-Fotso, Achille Webo ou encore Stipark Samo, vivre la plus grande fête locale. La dite fête s'appelle Lonzou et le village en question, c'est bel et bien Batoufam. Moteur. Lonzou est une danse particulière, est une grande étape initiatique parce qu'elle ne s'exécute pas par n'importe qui. C'est une danse qui demande beaucoup de sacrifices en temps, en matériel, en persévérance. Tout le monde peut danser Lonzou sous deux conditions. La première, c'est d'être en parfaite harmonie avec sa famille par certains rites, des cérémonies, des sièges qu'il doit effectuer dans les grandes familles. Et en deuxième lieu, il faut appartenir à un cercle au palais. Il y a les clans d'âge, il y a beaucoup de cercles. Et si on appartient à un de ces cercles, et si on est en parfaite harmonie avec sa famille, on peut danser le zoo. Maintenant que nous avions toutes nos armoiries, il fallait procéder à la purification du village. C'est pour ça qu'on a organisé le tabatou, qui consistait à immoler, à rejeter sur une chèvre tous les péchés du village. Alors seuls les hommes accomplissent cet acte. Donc chacun sort avec un morceau de roseau, il parle. Il invoque tout ce qui est de mal et tout ce qu'on ne veut plus conserver dans le village. Et on laisse ce roseau tomber sur la chèvre. Et puis par la suite, on sort de ce royaume avec la chèvre qu'on va donc le jeter plus loin. Après cet acte de purification, on est passé à d'étape de Sakap qui interpellait tout le monde, vieux, jeunes, femmes, enfants, tout le monde. Alors cette étape d'échange verbal, de communion, nous l'avons fait avec la population. Okay. Donc, à la suite de cette étape de Sakap, nous avons attribué des titres de notabilité coutumiers à certains dignifices Batoufam. Une contrainte coutumière Batoufam qui voudrait que parmi les femmes que le chef a épousées jusqu'alors, qu'il y ait une qu'on va effectivement doter, ceci pour permettre que plus tard le chef prenne aussi de la dot pour ses filles. Une qu'on va appeler une juinje, qui est celle avec qui il effectuera une sortie publique à la grande place pour la danse lock. Il s'agit
Le Sakab, Tabatou, le Lok concernaient une certaine classe de personnes. Alors il fallait encore jubiler par une danse populaire toutes ces étapes qu'on vient de traverser. Et voilà pourquoi nous sommes arrivés à danser le Metcha qui consiste à danser publiquement encore. Non plus seulement avec la Njunje avec qui on a fait le Lok, mais avec n'importe quelle femme de la chefferie. Et dans les rangs de Metcha, on voit tout le monde. C'est les princes, c'est les serviteurs, c'est la population et c'est tout le monde. L'onso est une danse mystico-exotérique du village Batoufam. Elle ne s'exécute qu'à des occasions exceptionnelles. L'occasion s'y prête justement en cette matinée du 24 novembre 2007. Moi qui a enregistré le rituel de retrocession des armoiries du village, mais aussi celui de la dot symbolique de l'une des épouses du roi, Sa Majesté Nayantouka. Le roi Nayantoukam en personne, après réception de ses hôtes de marque, se fera le devoir de les accompagner jusqu'au lieu de l'événement. S'ensuivra la sortie majestueuse des danseurs du Nzou qui prendront le temps de se parer de leurs plus beaux attributs. Ils feront plusieurs tours de piste en attendant l'ouverture de la danse qui sera donnée par la sortie de Sa Majesté, tandis que le public s'abreuve des édifications du speaker. Thank you.
Thank you.
Toukam Djichi Dora Emmanuel, je suis la première fille du chef Batoufam. J'ai accompagné mon père à cette danse. Je suis très fière de l'avoir faite parce que c'est un honneur pour moi de pouvoir danser avec mon père à son nom. Ainsi va donc l'Onzo, danse rituelle chère au peuple Batoufam. Voilà, le Ngwon chez les Bamoun, le Nyan-Nyan et ses 14 méga-danses chez les Bafoussam. Mais aussi, on l'a constaté grâce à ce grand reportage, le Nzou chez les Batoufam. Autant d'atouts qui donnent à comprendre à souhait pourquoi l'ouest du Cameroun est considéré comme étant le bastion de son tourisme culturel. C'est à partir de cette place de l'indépendance de Yaoundé, établie juste en face de l'hôtel de ville local, que cette 45e édition de Cameroun Vision vous a été livrée. Et c'est exactement ici, pour ceux qui ne le savent pas, que l'indépendance du Cameroun a été proclamée en 1960 par son Excellence, l'ex-président du Cameroun, j'ai nommé Amadou Ahidjo. Merci d'avoir été des nôtres et surtout, prenez soin de vous et de tous ceux qui vous aiment parce que chaque jour est une vie. Et rien ne vaut la vie. Je